que ce soir, nous fêtons un anniversaire, les 10 ans d'un label de disques. Vous savez, ces petits objets ronds et brillants grâce auxquels, au siècle dernier, on écoutait de la musique en pleine crise du disque, contre toute attente et surtout contre les diktats du marketing, Laurent Bizot, un jeune juriste, sûrement un peu rebelle, ne riez pas, il y en a, quittait Universal il y a 10 ans pour lancer le bien nommé label No Format. No Format a tenu sa promesse en produisant quelques albums parmi les plus somptueux de cette dernière décade. Ce soir, il nous offre un plateau formidable. Alors, s'il n'a pas pu sauver à lui tout seul, comme dirait Gonzalez, le pianiste fou, l'industrie du disque, en tout cas, il s'est sauvé avec ses bijoux de famille. Et il nous les présente ce soir. Mélissa Lavaux, avec ce voile incroyable sur la voix, qui peut être comparable au voile d'Isis. Vous savez, pour cacher la beauté du monde, il faut mettre un voile. C'est un petit peu ça, la voix de Mélissa, parce qu'on pourrait tomber dans les pommes. Enfin, moi, j'ai tombé dans les pommes quand même. Je vous présente la déesse égyptienne qui est d'origine haïtienne, et qui a été élevée au Canada, une chanteuse incroyable, mademoiselle Mélissa Lavaux. I'm
concert le 5 décembre à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ces musiciens ce soir étaient Élise Blanchard à la basse et au chœur, Gauthier. Entendu la voix de Mélissa pour la première fois, est-ce que ça vous a fait le même effet qu'à moi? Parce que moi, je me suis arrêté de... J'étais sur la route, je me suis arrêté, je vais faire un accident. Qu'est-ce que c'est qui vient de chanter et tout ça? Je sais plus sur quelle radio c'était, je crois que j'ai dû appeler. Et puis après, quand j'ai eu son album, son premier album, qui s'appelait Camphre et Cuivre. C'est ça, Camphre et Cuivre, écouté en boucle. Et pour moi, c'était une leçon. Et voilà quoi. Qu'est-ce que... J'avais pas de questions dans ce que je posais. Si, c'est la question. Ça vous a fait quoi, Laurent, quand la première fois vous avez écouté sa voix? Vous avez transpiré de la moustache. ouais, on a frissonné avec Thibaut. Thibaut venait d'arriver et il a... On écoutait des pages. Thibaut, c'est votre associé. Hein. Ouais. Il est où? Il est là, on le salue. Il est en haut, là. Il est en haut dans la régie. Et on écoutait des pages MySpace un peu. Au départ, c'était un peu le début de MySpace. Et la voix de Mélissa est sortie de l'ordinateur. Enfin, on s'est demandé... L'ordinateur a fondu. Ouais, fondu. Et on lui a écrit, et puis elle a cru que c'était une blague, donc elle n'a pas répondu au départ. C'est vous qui l'avez pécho sur MySpace? Ouais. Mais c'est incroyable. On lui a écrit, on l'avait jamais vu, on avait juste entendu sa voix comme... Puis il est venu à Montréal le voir jouer un concert. Sans blague. Au Club Balatou. Ouais. Alors vous allez au Mali pour voir... vous allez à Montréal, vous aimez voyager? J'aime bien, ouais. Dès qu'il y a une occasion... Non, j'étais justement avec un artiste malien à Montréal et elle jouait au Club Balatou au même moment, donc on s'est rencontrés là. Alors avant d'interroger Mélissa, je me retourne vers notre ethnomusicologue et j'ai envie de vous dire, Emmanuel, est-ce que quand on entend des voix féminines comme ça, sorte d'incantation, à quel genre de déesse on a? C'est vous qui côtoyez les dieux, des Bushman et tout ça, là vous la catégoriez dans quel panthéon à peu près, Mélissa Lavaux? Eh bien écoutez, une déesse extrêmement présente, quasi charnelle, une déesse du souffle en fait. Moi, ce qui m'a fascinée, c'est sa manière d'utiliser le souffle de la voix, vraiment les inspirations, les expirations, de claquer, faire claquer la voix et en même temps une douceur absolument incroyable. Je suis, moi aussi je reste sans voix. Là on touche à la magie de l'expression vocale qui finalement, pour moi c'est l'instrument le plus beau. Est-ce que dans les sociétés où vous avez été étudié, avec qui vous avez vécu, il y a ce même amour pour la voix? La voix c'est vraiment le premier instrument, hein. C'est un instrument qui sort du corps, qui est extrêmement puissant de ce fait. Hein. On vibre tous en parlant et encore plus en chantant. Donc c'est tout le corps qui produit la musique hein, dans la voix. C'est Flaubert qui disait « La voix sort de mon corps, mais tout mon corps est dans ma voix. » Ouais, et le gueuloir pour tester ces textes. Et dans toutes les sociétés, la voix a énormément d'importance, c'est sûr. Et la voix, c'est la voix qui permet de se transcender et de communiquer avec le divin, avec les esprits, avec les âmes. C'est très fort, la voix. Alors, Mélissa Lavaux, quels esprits convoquez-vous avec votre voix? J'avais pensé à convoquer des esprits. En ce moment, je suis en train de lire pas mal sur différentes mythologies. Et j'ai appris... Mélissa Lavaux, vous parlez français? Mais avec un nom comme Mélissa Lavaux, j'espère que je parle français. Je sais, mais pour moi, vous étiez une extraterrestre qui était... J'aurais bien voulu, ça c'est quand même cool. Pour moi, vous étiez une sorte de réincarnation de Billie Holiday d'extrême gauche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était quand même extrême gauche, Billie Holiday. C'était pas... ce serait pas un gros détournement, mais...